22 boîtes. 22 gains. De 1 centime d'euros à 500 000 euros. 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TF1 pour apprendre ou à laisser, ce jeu qui rend fou les Français. Et permettez-moi à nouveau de saluer Virginie, la candidate alsacienne, qui hier a gagné combien ? 200 000 euros. 200 000 euros qu'elle a partagé avec un téléspectateur. Alors c'est une tradition. Elle a souhaité remercier ses camarades avec qui elle a passé près d'un mois et demi. Et en guise de cadeau et de bonne chance, pour faire appel à la bonne fortune, elle va vous chanter la chanson des... Chat noir. La chanson des chats noirs. Vous êtes prête, Virginie? Oui, on y va. Allez, on y va. Ce soir, c'est sûr, on va gagner. Ce soir, c'est sûr, on va gagner. 500 000 euros à la télé. 500 000 euros à la télé. Les chats noirs sont déchaînés. Les chats noirs sont déchaînés. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Bravo, Virginie. Hier, vous nous aviez dit que vous vouliez acheter la voiture de vos rêves. Oui. Faire des travaux pour une nouvelle maison. Non, je l'ai déjà à la maison. Vous avez déjà la maison ? J'ai déjà la maison. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Décorer ? Mettre une piscine ? Non, 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 non. Je vais faire un petit appartement pour filles, un petit appartement pour là. Vous êtes généreuse et vous allez faire profiter vos amis et vos proches de cette somme. Bravo ! Merci. Et une fois de plus, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Allez dans le public, comme ça vous assistez avec nous à l'émission. Bon. 22 candidats, ils sont là, ils représentent 22 belles régions de France. Je voudrais que l'on salue la candidate alsacienne, Sabrina. Bonsoir. Qui vient de nous rejoindre. Et je vais poser la question sélection qui va permettre à l'un de nos candidats de venir me rejoindre. Je rappelle que vous qui nous regardez en composant le 32-80, allez pouvoir partager les sommes de notre gagnant ce soir. Aujourd'hui, mercredi, écoutez la question. Que signifie l'expression flamande « avoir des flancs sur son toit » ? S, ne pas être très malin, réponse A. B, être riche, ou réponse C, être radin. Écoutez bien la question. Que signifie l'expression flamande, avoir des flancs sur son toit? C'est pas facile comme question. À mon signal, répondez. Allez, Willy. Qu'est-ce que vous avez répondu, Willy? Être riche. Être riche. Oui, ouais. Nous allons découvrir la bonne réponse. Il s'agit, oui, être riche. Alors, Willy, il y a 5 candidats, dont vous, qui ont donné la bonne réponse. Levez la main, ceux qui ont mis la bonne réponse. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, avec Coco aussi. Coco qui est chat noir. Alors, s'il vous plaît, lequel de ces 5 candidats va venir me rejoindre? Nous allons découvrir la région qui a été tirée au sort. Prions pour Willy ou Coco. Il s'agit... Ouais ! Ouais ! Willy ! Ouais ! Magnifique ! Magnifique ! Ouais ! Willy ! Yes ! Willy ! Oh, magnifique ! Magnifique ! Willy, mesdames et messieurs ! Allez ! Il aura fallu attendre 33 émissions, mesdames et messieurs, pour que la Corse, après 6 semaines et demie, vienne nous rejoindre. On va installer un micro à Willy. Et pendant qu'on installe un micro, nous allons voir l'échelle des gains, c'est 22 sommes qui vont permettre à notre candidat corse de faire quelques pas en direction du bonheur. 1 centime d'euros, un mouchoir, un savon, une brique, 50 euros, 100 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, et puis les belles sommes, 20, 30, 50, 75 000 euros, 100 000 euros, 250 000 euros et 500 000 euros. Mesdames et messieurs, accueillons notre baleineau. 100 kilos de bonheur et de joie après 33 émissions. Il arrive de Corse, le seul, l'unique, William. Oui.
Mon ami William, venez, venez, venez saluer votre public. Que d'émotion. Regardez, regardez, il vous aime. Venez avec moi. William aura attendu 2 mois pour jouer avec nous. 2 mois de patience et de persévérance. Saluez votre public. Regardez comme il vous aime. Regardez votre fan club. Regardez-les comme elles sont heureuses. Star nationale, William. Regardez, le public se lève pour vous. Posez votre boîte. William. Allez, mon coucou. Asseyez-vous. Bon. Mais qu'est-ce que je suis content, mais qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que ça fait d'être là, vous qui avez passé 33 émissions en face de nous? Ah, ça fait bizarre. Ça fait plaisir? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes heureux? Vous permettez que j'appelle votre femme, Marie-Françoise, pour lui annoncer la bonne nouvelle? Non, parce qu'il manquerait plus que juste ce soir, elle n'ait pas regardé la télévision, dis donc. Alors, William, oui. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 32 ans, je m'appelle William, j'habite dans un petit village qui s'appelle Otaporto, ouais. En Corse. Et voilà, j'ai 3 enfants, 3 petites filles. Ça sonne. Vous vouliez aller annoncer la bonne nouvelle? Non, allez-y. Allô? Allô? Oui? Marie-Françoise, c'est Arthur. Oui? Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? Les deux. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il rentre en Corse, hein? Ouais, quand? Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, William joue avec nous. C'est vrai? Ah, oui, c'est vrai. On va pouvoir le revoir. Je vous le passe. Allô? Oui. Ça va? Ouais, ne parlez pas de bêtises parce que tout le monde entend. Ouais, ben je rentre demain, si tout va bien. À moins que, à moins que je gagne rien. On verra bien. Avec combien elle aimerait que vous rentriez? Avec combien tu veux que je rentre? Je sais pas, moi. Ah, c'est pour faire ma maison. Voilà. Voilà. D'accord. Allez, je te fais et un bisou. Et puis un cadeau, hein. On vous embrasse très fort. Embrassez les enfants, oui, et allumez la télévision parce que c'est maintenant ou jamais. Bisous, bisous. Merci. Elle est mignonne. Toute la Corse qui commençait à avoir honte commence à être fière. Ça fait plaisir. Ah, mon baleineau, mon champion, mon Willy. Il faut préciser que vous travaillez dans un aquarium. Hein. Oui. Il était temps que vous jouiez parce que je vous sentais un peu déprimé là depuis 2-3 jours. Beaucoup déprimé. Ça va mieux? Oui. Alors, bien entendu, il ne parle pas calmement tout le temps comme ça. Hein. D'habitude, c'est pire. Là, c'est parce qu'il a la pêche. Hein. Notre ami Corse, vous venez d'un joli village. Comment s'appelle ce village? Otaporto. Otaporto. Combien d'habitants? 500, Olivier. 500. Alors, en 33 jours, c'était génial. Oui. Vous êtes éclaté, vous avez connu tous les amis et puis vous avez fait la fête, hein, notamment dans le bar en face de l'hôtel, hein, où on a quelques images pour expliquer un peu votre rôle de meneur à vos proches. Hein. On vous voit tout calme, mais vous savez qu'après 22 heures, notre ami Willy, c'est plus le même homme. Il y a le démon de la danse, il se transforme en jet-setter. La baleine devient un requin. Regardez ces images de Willy. Ça, c'est dans le car qui vous ramène à l'hôtel. Et voilà Willy. Willy avec Sourisseau. Vous connaissez mieux que quiconque les règles de notre jeu. Oui. Vous êtes devenu très intime avec Jean-Louis, notre huissier, qui est très content pour vous. Bonjour, Jean-Louis. Arthur. Mais nous sommes tous ravis, Willy. Oui, 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 oui. Tous ravis. Alors, Jean-Louis, vous confirmez que je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, je rappelle que, bien évidemment, c'est moi qui ai enfermé toutes les sommes dans ces boîtes. Dans le secret, c'est hermétique. Et Arthur ne sait absolument pas ce qu'il y a dans votre boîte, ni dans aucune des autres. Allez, on va démarrer la partie. Merci, Jean-Louis. Alors, attention. Attention, mon champion, ma gagneuse. Oh. Là, on a fait le plus gros. Après 33 jours, 33 émissions, la libération. Vous êtes là sur le fauteuil des champions. Maintenant, ne rentrons pas avec un savon ou un mouchoir pour pleurer. Parce que alors là, c'est pas la honte. Hein. Ils vous laissent pas traverser les... Je rentre pas. Ils vous laissent pas quitter le continent. Je rentre plus. Vous rentrez pas au pays. Vous voulez me faire un cadeau, voilà. Oui. Vous avez été généreux depuis toutes ces semaines. Un cadeau.
faites-moi péter la banque. On va essayer. Ouvrez-moi 6 boîtes. Alors, attendez. Le Midi-Pyrénées, 21. Le Midi-Pyrénées, Claude François. D'une émission à l'autre, la chemise descend de plus en plus. Ouvrez cette boîte, 5 euros. On y va. Mais vous avez remarqué, si on fait le décompte de toutes les boîtes que vous avez ouvertes, vous ouvrez souvent des toutes petites sommes. C'est à vos amis de vous rendre l'appareil. Vous en avez fait gagner des candidats. Vous vous souvenez, Virgile? Oui. Tout le monde est heureux pour vous ce soir. On y va. Le 19, Île-de-France. Allez, on y va. Désirless. Très joli débardeur, hein. Merci. En ouvrant cette boîte, 1 centime d'euros. Je vais vous dire un truc, Willy, le Corse prend son temps, mais quand il met la machine en route... Ça marche toujours bien. Je vous jure que vous avez de la chance que je sois un homme. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouvrez-moi une boîte. L'Auvergne, le 3. La candidate auvergnate, en ouvrant sa boîte, elle croise les doigts et nous fait renoncer définitivement à la somme de... Oui, une brique. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Oh, je vous embrasse. Oh là 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 là, Willy. Si vous me virez le mouchoir, je danse. Je danse pour vous, Willy. Le 18, la Picardie. La candidate Picarde, en ouvrant sa boîte, nous fait renoncer définitivement à la somme de... 30 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Et vous connaissez le principe, jusqu'à la dernière seconde, on a une chance de repartir avec une belle somme. Là, on vient de faire un retour brutal à la réalité. Et on va ouvrir une autre boîte, Willy. Allez, mon baleino préféré. Regardez-moi tout ce plancton qui nous observe. Le 10, la base de Normandie. Allez, Patchy, c'est maintenant ou jamais. Allez, Patchy, va. Patchy. Fait chaud ici. D'un autre côté, il a compris la stratégie en 33 jours. Mais il vaut mieux. Allez, Nemo. On y va. Une autre boîte. Le vin, la Bretagne. Le candidat breton. J'espère que Cricri, votre grand pote avec qui vous en avez fait des fêtes dans cet hôtel, tu vous fait mérites, renoncer à la somme de... 75 000 euros. Méritez pas ça. Non, il méritait pas ça. C'est pas grave, ça. Je sais que c'est pas vous qui choisissez ce qu'il y a dans les boîtes. Le chacal, mais nous sommes bien placés. Qui nous appelle? Allô? Oui? Le banquier vous félicite. Moi aussi. Très bien. Vous voulez répéter, s'il vous plaît? Ce soir sera une date à inscrire dans le calendrier et dans l'histoire d'apprendre ou à laisser. La banque nous fait une première proposition, Willy. Si vous le souhaitez, la banque nous propose de racheter notre boîte pour la somme. C'est la plus grosse offre jamais faite pour une première offre. 32 000 euros. À prendre ou à laisser. 32 000 euros. Vous qui êtes là depuis la création de ce jeu, il y a 210 000 francs contre cette boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais continuer un peu. Attendez, 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 Willy. Vous connaissez les règles, vous en avez vu des déceptions. Vous en avez vu, vous avez été observateur, vous avez assisté au meilleur comme au pire, des gens qui n'avaient rien dans leur boîte et qui sont repartis avec des grosses sommes. Il y a eu des grands gagnants et des grands perdants qui pensent avoir de grosses sommes et qui sont repartis avec un cadenas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, c'est à prendre ou à laisser. 32 000 euros, on continue? Je continue, ouais. Vous êtes joueur, Willy. Vous êtes joueur, mon Willy. Je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous allez pouvoir partager les gains de Willy en composant le 32-81. Ouvrez-moi 3 boîtes. Allez, on y va. L'Alsace, le 8. La candidate alsacienne, nouvelle venue, qui s'appelle Sabrina.
en ouvrant sa boîte, nous fait renoncer à la somme de 5 000 euros. C'est une somme, mais c'est largement inférieur aux 32 000 euros qu'on a refusé de la banque. Si vous me virez cette savonnette, je vous fais moonwalk. Je vous fais Michael Jackson, là, sur le tapis. Ouais. Allez. Le 22, Ronald. Jessica. Jessica, là, elle a la pression, Jessie, hein. Hein, ma bichette, en ouvrant la boîte de la région Rhône-Alpes, vous renoncez à la somme de 100 000 euros. Je pense que si elle referme pas la boîte, hein. Vous n'y êtes pour rien, Jessica, je vous fais un bisou. La production me dit que vous êtes au 7e paquet de mouchoirs en papier depuis le début du programme. Je vous la laisse ici. Vous savez, dites-lui que vous lui en voulez pas, elle est toute malheureuse. Qui est pour rien. On vous aime, Jessie. C'est Jean-Louis qui a la pression ce soir. Faudra allez, la, notre boîte. La fête ce soir quand même. Allez, alors. Mon poulain. Allez, mon champion. Allez, mon Greg le millionnaire. Le centre, le numéro 1. Allez, Pocahontas, faites-nous un beau cadeau. Virez-nous la savonnette. Le chiffre 1, ma Poca. Oui! J'ai dansé pour vous, hein. Ah ouais, vous savez que je suis ridicule quand je danse, mais je tiens toujours mes promesses. Oh là là, j'avais l'impression d'être une mariée dans vos bras. Oh là là, si j'étais pas un homme, mon Willy. J'aime entendre vous. Oh. Maintenant qu'il y a une vraie proximité entre vous et moi. Oui. Vous êtes mon baleineau, je serai votre langouste. Et ce banquier. Il doit moins faire le malin. Dans l'aquarium, il doit couler. Allô? Ah. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Que d'émotions. Vous êtes en train d'entrer dans la légende de notre banquier qui est là. Alors là, il sait plus où il habite. Hein. C'est un tourteau, là. Il va dans tous les sens. Après avoir offert 32 000 euros, c'est 35 000 euros qu'il nous propose pour acheter notre boîte, Willy. 35 000 euros, 230 000 francs. On peut, nous sommes en droit de nous poser la question, pourquoi tant d'argent? Alors, on continue. J'entends pas. On continue. On continue. Mais attention, hein. Ça fait longtemps que nous sommes là, hein. Ça fait 33 émissions que vous êtes là. Il faut pas trop jouer avec la banque. Je vous rappelle, et c'est important, que vous venez de refuser 235 000 francs contre le contenu de cette boîte. Personne ne sait ce qu'il y a dans cette boîte, ni vous ni moi. Il y a peut-être 500 000 euros, mais il y a peut-être un mouchoir. Alors vous allez me le virer, ce mouchoir. Oh, je suis plus le même homme depuis que vous m'avez pris dans vos bras, Willy. Allez, mon poupon, c'est maintenant ou jamais. Le 13, Pays de Loire. Richie Cunningham. Pays de Loire. C'est un bon chiffre, le 13, pour vous, Richie Cunningham, qui, comme vous, est là depuis le début. Aïe, 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 aïe. 50 000 euros. Quel malheur. Quel malheur. Tout le monde est désolé pour vous, moi le premier, mais ce sont les règles du jeu. Ouvrez-moi une autre boîte. Il reste des belles sommes, hein, les deux plus belles. Oui. Un demi-million d'euros, 250 000 euros et puis 25 000, 20 000, mais nous, on veut le bas. Hein. Alors virez-moi le haut. Le 17, Champagne Ardennes. Allez, Claire, Claire Chazal, en ouvrant sa boîte. Ma Clairette, ouvrez-moi cette boîte, je vous en supplie. Faites-nous rêver, 25 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est en deçà de l'offre de la banque. Pas de regret, on continue. Moi, ce que je veux, c'est 250 000 euros pour l'île de beauté, 500 000 euros pour s'éclater avec vos enfants et votre femme, Marie-Françoise, qui enfin vous voit à la télévision et se prépare à revenir.
4, la Lorraine. Allez, ma sourisette. En ouvrant la boîte numéro 4, nous renonçons ensemble à la somme de... 50 centimes. Oui. 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 Allez, Willy. Allez, Willy. Virez-moi ce mouchoir, Willy. Virez-moi ce mouchoir et ce chacal qui nous veut nous gâcher la fête comme à chaque fois. Oui, je vous écoute. C'est-à-dire... Vous avez un chiffre porte-bonheur, Willy ? Oui. Parce que si vous avez un chiffre porte-bonheur, c'est maintenant ou jamais, car la banque nous propose d'échanger notre boîte. Quel est votre chiffre porte-bonheur ? Quel est le chiffre qui vous inspire parmi tout ceci ? Il y a la date de naissance de ma dernière petite. Hein. Laquelle ? Le 14. Le 14. On la garde ou on l'échange ? Peut-être qu'on nous proposera d'échanger plus tard. Hein. Je la garde. Vous êtes content de cette boîte ? Ouais, ouais, elle m'est restée, elle m'est levée. On me l'a donnée, je la garde. Alors, on continue. Je rappelle que vous qui nous regardez en composant le 32-81, allez partager les gains de notre champion, notre Willy. Alors, on va ouvrir à nouveau des boîtes. Alors, est-ce qu'on est curieux ? Est-ce qu'on veut voir si on a bien fait de ne pas prendre la boîte numéro 14 ? Oh là là, c'est pas possible. Oui, allô ? Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Mais qu'est-ce que vous voulez de nous ce soir ? Vous attendez quoi ? Vous voulez nous rendre fous ? Vous voulez nous le faire craquer ? Très bien. Faites les malins. Un malin, malin ennemi. Willy ? Oui. La banque nous propose, si vous le souhaitez, de racheter notre boîte contre la somme de 40 000 euros. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte ? 262 000 francs. Qu'y a-t-il dans cette boîte qui rend dingue le banquier ? 40 000 euros à prendre ou à laisser, Willy. Et s'il y avait les 500 000 ? William, c'est un choix cornélien. Ouais, je sais. 40 000 euros, c'est la raison. Ça fait 33 émissions que vous êtes là. Ça fait des semaines que vous êtes avec nous. Vous êtes sûr de repartir avec de l'argent si vous acceptez l'offre de la banque. Mais 250 000 euros, vous êtes déjà une star dans toute la France, mais c'est un triomphe. 500 000 euros, c'est le paradis. Réfléchissez bien. Prenez votre temps, puisque de toute manière, votre réponse, vous me la donnerez juste après les pubs. À tout de suite. Bonsoir à tous, quelle belle journée, quelle belle journée, quel joli mercredi nous sommes en train de vivre en compagnie de Willy. Willy aura attendu des semaines et des semaines, 33 émissions, vous ne rêvez pas, si vous prenez notre émission en route, Willy, le candidat corse, a enfin été sélectionné. C'est probablement le candidat de jeu télé le plus connu et le plus populaire de France, tous jeux réunis. Hein. Quand on prend tous les autres jeux, on ne se souvient pas des autres candidats. C'est vrai. C'est sûr. Mais vous, vous êtes une star. Vous représentez à merveille l'île de beauté. Et c'est au travers vous, et bien tous les Corses qui sont fiers de vous voir ce soir. Et on sera encore plus fiers si vous repartiez avec 250 000 ou 500 000 euros. Il reste les deux plus belles sommes. Mais bien entendu, quand on regarde la grille, on se dit qu'il y a aussi un mouchoir. Et puis 50 euros, 100 euros, 250 et 500 euros. Avant la publicité... Le banquier vous a fait une dernière offre. La première fut de 32 000, la deuxième de 35 000 et la troisième de 40 000 euros. C'est à prendre ou à laisser. Il y a 260 000 francs en jeu. Si vous refusez l'offre de la banque, vous ouvrez à nouveau deux boîtes ou trois boîtes et à nouveau, on négociera avec le banquier. Croyez-vous en votre bonne étoile qui vous a fait signe aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 33 émissions, vous soyez en face de moi ? Y a-t-il un destin ? Allons-nous le forcer ? Vous connaissez le principe de ce jeu. Plus vous repartez les poches pleines, plus je suis heureux. Ah, je vais continuer. C'est du 40 000 sur le gros. Allez, bonne chance. À nouveau, trois boîtes, Willy. Vous vouliez échanger votre boîte contre celle de Victor. C'est peut-être l'occasion de voir si on n'a pas fait la bêtise de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Allez-y, ouais. Vous êtes sûr? Allez, ouais, c'est la allez Victor, on va voir si on a bien fait de ne pas prendre la boîte numéro 14. Oui! Oh mon Dieu! Allez, une autre boîte. Elle est neuve, pas tout Charente. Allez, caporal chef, c'est maintenant où j'avais. C'est la dernière en la jeu. Dernière, ouais. C'est le dernier des chats noirs puisqu'elle était avec vous depuis le premier jour. Portez-lui chance, je vous en supplie. Ouvrez-moi la bonne boîte, chérie. 500 000 euros. Nous sommes désolés, Stéphie, c'est tombé sur vous. Votre ami du premier jour. Tout le monde est en pleurs. Il reste quand même 250 000 euros. Je fais passer la boîte. Allez-y, Coco. Voilà, allons-y, madame de la Picardie. Elle en a perdu sa plaque, la candidate Picarde. Quelle angoisse. Regardez Claire Chazal dans quel état elle est. Heureusement que vous n'avez pas le 20h à présenter tout à l'heure. Vous méritez tellement de repartir avec une belle somme, Willy. Vous nous avez fait tellement rire, vous nous avez tellement aidé. Je me dois de tout faire pour que vous repartiez avec de l'argent, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, une autre boîte. Le 5, le Limousin. Allez, le catcheur du Limousin, en ouvrant sa boîte numéro 5, nous renonçons à la somme de 500 euros. Allez, Willy, on continue sur notre lancée. Oh, j'en peux plus de ce téléphone-là. J'en peux plus, je vous jure, je suis à bout. Et vous, Jean-Louis, faites-nous un signe. Faites un geste pour une fois. Allô? Je vous écoute. Je comprends pas ce que vous me dites. Plaisantez ou quoi? $17 000. Alors qu'il y a deux minutes, il nous proposait $40 000. À prendre ou à laisser. Si je regarde l'écran, il reste exactement 7 boîtes et il y en a 3 supérieures à 17 000 ou équivalentes avec le 15 000. Et puis après 10 000, 250, un mouchoir et 50 euros. Évidemment, il fait le malin parce que il y avait une boîte à 500 000 jusqu'à 10 secondes. Mais vous savez que notre banquier peut bluffer. Et c'est maintenant qu'il faut se concentrer, parce que dans cette boîte, il y a peut-être le paradis, 250 000 euros, ou un mouchoir. Et c'est maintenant qu'il va falloir prendre la bonne décision, celle qu'on ne regrettera pas, j'en suis sûr. Faut-il accepter les 17 000 euros de la banque, ce chacal, cet infâme fumier qui, depuis des semaines, nous nargue, et le jour où vous êtes sélectionné pour ce jeu, veut nous rendre fous, nous mettre plus bas que terre? Non, William, on va pas se laisser abattre. Vous êtes mon pote, William, vous êtes mon ami. Alors 17 000 euros, c'est sûr, c'est une belle somme pour vos enfants et Marie-Françoise qui nous regardent. Mais moi, je crois à 250 000, je crois encore à 20 000. Allez, on continue. Non. Non, on continue. Je suis venu pour jouer, je suis parlez laissé... avec votre cœur. Je parle avec le cœur. On continue? On continue. J'espère, Willy, que nous avons fait le bon choix. Je vais prendre le 11. Allez, Coco, Rambo, c'est l'heure de vérité. C'est votre copain. Ça fait un mois et demi que vous êtes amis. C'est maintenant ou jamais. Si vous devez nous virer ce mouchoir... J'aimerais tellement. Yes! Oui! Oui! Oh là là, qu'est-ce que je vous aime! Oh là 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 là! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi, Willy. Regardez le public. C'est la première fois que dans un jeu, le public pleure. Regardez cette demoiselle, elle est en larmes. Mademoiselle, ne pleurez pas, mademoiselle, ça va aller. Regardez-moi cette star. Ouais, voilà. C'est bien. Allez, Willy. Merci. Oh là là, tout le monde est soulagé. Alors, il nous reste le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la Franche-Comté, le Languedoc-Roussillon. Et Georges Clounet, là. Et Georges Clounet, qu'est-ce qu'il a dans sa boîte?
votre copain Georges Clooney, il est comme ça. Hein. Vous en avez fait des fêtes, hein. Vous en avez bu des coups avec Georges Clooney. On a fait une amitié impressionnante. Ce sont les deux leaders de la bande. Hein. Je voudrais dire quelque chose, Arthur. Je suis content pour William qu'il soit au milieu du plateau, mais ça me fait vraiment quelque chose parce qu'on a lié d'amitié. Je parle au nom de tous les candidats avec lui et crois-moi qu'on ne t'oubliera jamais. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Merci. Merci. Bah, fais-moi plaisir, le 12. Allez, vous avez entendu ce qu'a dit Willy? Il a dit, fais-moi plaisir, fais-moi ouvre, plaisir la boîte. Ouvre la boîte. Allez. J'en peux plus, hein. J'espère qu'il y a 50 euros dans cette boîte. Hein. Je suis à deux doigts de pleurer, là. Je vous en supplie, hein. Georges, c'est maintenant ou jamais. 250 euros. Allez. Encore une boîte avant le deal. Que nous reste-t-il? Vous voulez la Haute-Normandie? Ah, j'ai envie de... Le Nord-Pas-de-Calais? Le nouveau venu, on ne l'a pas présenté hier, excusez-moi. Jérôme. C'est notre ami... j'ai oublié, Jérôme, pardon, excusez-moi Jérôme, je suis un peu perturbé. Ouais, bah, moi c'est pareil. Et hier, il nous a sauvé la vie parce qu'il y avait 1 centime d'euro devant la boîte à 500 000. Vous vous souvenez de Betty Boop? J'espère qu'il va remettre ça, j'espère qu'il y a 50 euros, j'espère pas qu'il y a 250 000, j'espère. C'est l'heure de vérité maintenant. Allez Jérôme, c'est maintenant ou jamais. Allez D'Artagnan. Allez. 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais regardez l'écran. Willy, 4 boîtes. Et une chance sur 4 pour vous de repartir avec 250 000 euros. Le banquier s'inquiète. Et il a bien raison. Oui, alors. À nouveau, le banquier nous propose d'échanger notre boîte. Là, ça devient sérieux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, je sais simplement que une des 4 boîtes encore en jeu possède la somme de 250 000 euros. Je ne sais pas, elle m'a été donnée et apparemment, bon, pour l'instant, c'est bien parti, donc j'aimerais bien la garder. Très bien. Alors, ouvrons une autre boîte. Bon courage, il y a notre amie du Nord-Pas-de-Calais, charmante, qui nous a jamais déçus. Et puis il y a Monica Lewinsky, qui est élégante pour vous. Et puis bien sûr, notre amie d'Aquitaine. Allez, allez Willy, maintenant qu'on est copains, choisissez-moi une boîte. L'Aquitaine, le 2. L'Aquitaine. En ouvrant la boîte, nous renonçons à la somme de... Ah 150. Alors maintenant que tout le monde est déçu, maintenant que tout le monde pleure, regardez vos amis comme ils sont malheureux pour vous, tout ce chemin. On va se battre pour les 20 000, Willy. On va se battre pour les 20 000. C'est beaucoup d'argent, Willy, parce que vous êtes déjà, quoi qu'il arrive, le grand gagnant de ce jeu, puisque tout le monde vous aime et que là, je peux vous dire que des millions de téléspectateurs devant leur écran sont malheureux. Mais moi, j'ai la gorge nouée, Willy. Mais il va falloir y aller. Ouvrez-moi une boîte. Allez, Willy. Virez-moi ces 50 euros. Allez, Willy, 20 000 euros pour rentrer en Corse. Le 7, du Nord-Pas-de-Calais. Notre candidat du Nord-Pas-de-Calais. En ouvrant sa boîte, nous renonçons à la somme de 50 euros. Quoi qu'il arrive, Willy. Quoi qu'il arrive, Willy, vous avez d'ores et déjà gagné au minimum 100 000 francs, 15 000 euros. Maintenant, on va se battre pour les 20 000. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais ça va être l'heure de vérité. On va tous se donner la main. Et tous vos amis et tous les gens qui vous aiment, et moi le premier, on croise les doigts pour vous. Y a-t-il 15 000 euros ou 20 000 euros dans cette boîte, Willy? Mais ça va être l'heure de vérité, on va tous se donner la main. Et tous vos amis et tous les gens qui vous aiment, et moi le premier, on croise les doigts pour vous. Allez, allez, pensez à vos enfants, pensez à votre femme. C'est maintenant, c'est le grand moment. Allez, Monica Lewinsky va ouvrir sa boîte. Y a-t-il 15 000 ou 20 000 euros? Ouais! C'est bien, 20 000 euros pour Willy,
toute votre famille, tous vos amis. Saluez la Corse pour nous, je viens vous voir. Vous m'attendez. Sans problème. Et puis vous allez partager cette semaine avec la candidate dont le nom apparaît à l'écran. Mille merci. On vous retrouve demain jeudi. Félicitations. Regardez vos amis, vous allez nous manquer, Willy. Ils viennent vous voir, ils viennent vous embrasser. L'un des héros de notre jeu nous quitte, mais l'aventure continue demain, même heure, sur TF1. Salut! Dès maintenant, appelez le 3281 et vous partagerez peut-être jusqu'à 500 000 euros avec notre candidat de demain.